Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveaux postes de financement. Donc il va vous permettre de voter pour une ou une autre arme. Donc c'est vous qui allez faire le choix. Donc c'est toute la communauté qui doit payer, faire des dons de lingots d'or. Donc vous devez payer en lingots d'or pour faire votre choix. Donc là je suis à Misty Midon, regardez, il y a un nouveau poste de financement. Donc là, si vous voulez voter par exemple pour cette arme, ben, vous appuyez sur carré près du tableau de dons. Et là vous allez choisir soit pour financer le fusil d'assaut de combat, là le financement est déjà à 30,42, il y a deux secondes il était à 30,41, donc il y a déjà plus de 30% de personnes qui votent pour cette arme. Il faudra le financer à 100% pour que cette arme devienne disponible. Alors il y a une autre arme mise en colération, qui est le pistolet mitrailleur de combat. Par contre celui-là il est financé à 6,53%, donc les personnes la plus par des personnes de Fortnite préfèrent avoir un nouveau fusil d'assaut de combat qu'un pistolet mitrailleur de combat. Donc ça, c'est un nouveau système que Fortnite a implanté dans leur jeu qui est juste incroyable parce qu'en fait, ça nous donne à nous, les joueurs, la possibilité de choisir les prochaines armes qui arriveront dans les prochaines mises à jour. Donc ça, c'est quand même super stylé parce qu'en fait, c'est comme si Fortnite écoutait sa communauté, mais à 100%. Et de toute façon, c'est le cas. Moi, je ne vais pas vous mentir que Fortnite écoute franchement énormément sa communauté. Donc, c'est vraiment pas mal. Question Epic Games, franchement, j'ai rien à leur reprocher là-dessus. Donc, voilà. Maintenant, vous, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, si vous préférez le pistolet mitrailleur, vous pouvez acheter, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous faites des dons en illimité. Hein. Donc, vous échangez vos lingots d'or contre des potions. Voilà, vous gagnez des potions en échange et au moins vous financez le pistolet mitrailleur de combat. Moi, je suis plus intéressé par le pistolet mitrailleur de combat que par le fusil d'assaut de combat parce que tout simplement, le fusil d'assaut de combat, il y a des scars et tout. Après, voilà, moi, je suis pas un très grand joueur de Fortnite, donc je sais pas. Moi, j'aurais préféré un pistolet mitrailleur, mais bon, apparemment, la communauté préfère un fusil d'assaut de combat. Moi, ça me dérange pas. De toute façon, on verra bien. Et regardez, au début de la vidéo, on était à 30,41% et là on est à 30,45%, donc ça monte très très vite. Par contre le pistolet mitrailleur monte beaucoup moins vite, bien évidemment. Donc d'ici quelques jours, allez, 5 jours maximum, je pense que le vote sera terminé et je pense que ce sera le fusil d'assaut de combat qui sera mis à l'honneur. Et en fait dans la prochaine mise à jour, quand le vote sera terminé, et ben en fait le pistolet mitrailleur sera disponible dans Fortnite. Le fusil d'assaut de combat plutôt sera disponible dans Fortnite, mais le pistolet mitrailleur ne reviendra pas pour l'instant. Donc voilà, si bien sûr c'est le fusil de combat qui gagne. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je voulais juste vous préciser qu'aujourd'hui, enfin depuis la mise à jour d'hier, il y a de nouveaux postes de financement pour faire des dons et pour choisir les prochaines armes, les prochains accessoires qui vont arriver sur Fortnite. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, de participer à ce financement. Et j'espère que cette vidéo d'information news à propos de la nouvelle mise à jour qui arrivait hier sur Fortnite vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh.